was quite an interesting discussion here today. I would like to begin for your impressions. You're a scientist and you were confronted today with the people with all the diversity on the schools. What impression do you have about what was said by the students themselves? I was very impressed. I mean, I can see from the front how concentrated they were, how they were listening. Then when I also listened to heard some of the contributions, I could see that it strikes a chord. I mean, within the school environment here, it seems like that the school has really embraced this living with the diversity, that the students who are taught here are really in the position to appreciate, or it appears that the school is making a real effort to provide the environment for everybody to thrive. But what we've also heard from some of the other contributions, that in the past, possibly teachers were not so aware of dealing with people who have very different backgrounds. Bon, au début, c'était un peu l'impression. Bon, la diversité, elle fonctionne bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Mais lors de la discussion, on a quand même remarqué, bon, c'est pas tellement facile. Surtout au Luxembourg, c'est rapidement la question des langues, de l'enseignement des langues et du multilinguisme luxembourgeois qui pose quand même des problèmes qui sont liés à l'intégration, à l'égalité des chances. Donc la diversité veut au Luxembourg également dire diversité des langues et ça pose un défi. Donc à la fin, on a beaucoup parlé des défis et des choses et des chantiers qui restent, surtout dans le domaine de l'éducation, qu'il faut avoir une éducation interculturelle positive qui met en évidence les chances de vivre dans une société multiculturelle. Donc ça, c'est un peu ce que moi je retiens. Donc c'est du travail à faire auprès des jeunes, bien sûr, mais également auprès des multiplicateurs et des multiplicatrices et dans les institutions scolaires au Luxembourg. Also, ich sehe Diversität für uns fangen immer als etwas Positives. Ich sehe auch für uns hier in der Schule, wenn ein Mix zwischen den Sektionen da ist, zwischen den Englisch-Sektionen und den Lützburg-Sektionen, holen wir das immer extrem positiv vor. Das ist auch immer an so Aktivitäten wie dem Schülerkomitee oder auch einer Theatergruppe, wo der Mix für uns allem stattfindet. Am Alltag tendieren gleich noch viel dazu, sich ein bisschen an ihren Gruppen von ihrer Klasse, ihrem Freundeskreis zu bewegen. Und wir schaffen als Schülerkomitee aktiv darin, dass wir da ein bisschen mehr gemixt kriegen. Weil wir denken, dass darin immens viel Gutes leid, und dass du daraus immens viel gewonnen kann. Weil du da mehr Leute kennenlernst und mehr, also auch verschiedene Sichten kriegst. Von daher gesehen ist das hier, Michel Lutius, ein bisschen als ein Dauerbaustell, aber nicht in einem negativen Sinn. Das noch viel zu machen, mit Gewürz schon viel gemäht. Oui, il suffit de regarder la communauté scolaire, une diversité énorme dans les écoles. Et bien sûr que vivre ensemble dans une telle situation, ça ne va pas de soi. Alors, ce qui est important, c'est que les enfants, ils apprennent à vivre ensemble. Ce n'est jamais évident, bien sûr, mais ce que nous, on essaye, c'est de faire des jeux avec eux où ils sont dans différentes situations pour qu'ils sachent comment est-ce que c'est d'être dans une situation, d'être un étranger qui est seul dans le pays, ou par exemple aussi de demander alors comment est-ce qu'on se sent dans une telle situation pour aussi développer l'empathie, mais de l'autre côté aussi pour qu'ils comprennent la situation, pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que les gens de tous les coins du monde sont ici au Luxembourg, pour en fait accepter aussi la situation qu'on a ici au Luxembourg et de comprendre la situation. Diversity is first of all, it's a demographic composition. We can count the number of nationalities, but as it was also mentioned here, so we don't want we don't want assimilation. We want inclusive societies. How do we get this? And this is where we need to study the actual phenomena. How do we live together? How do we make compromises? And as Pierre also mentioned, we first need to understand the terms. What are we talking about? So if we talk about education, what are the images we portray into it? So we first have to clarify that we are on the same level playing field, that we understand that we are meaning the same concepts. And once we've clarified that, we can work together. We can start working together. We can learn from Luxembourg. How do we live with this diversity in Luxembourg? And this could be a blueprint for others that we can see also, for example, the school context, dealing with the different languages. It is, of course, an advantage, but it is also a challenge, as some of the contributions have shown. What are models? What works? But if you have got diversity,
it's not one size fits all. So we have to have pragmatic and adaptable, flexible solutions.